Allez, salut YouTube, salut à ceux qui nous rejoindraient tout de suite, enfin à l'instant sur Twitch. Premier épisode de notre série sur Wildland 4. Je vous en dis plus un petit peu après. Je vous laisse tout d'abord l'intro du jeu avant de vous le présenter un peu plus en profondeur. Une pyramide légendaire découverte profondément dans la jungle. Est-ce que je vais pouvoir changer de scène sans tout couper la musique? Non. Il y a la peine d'avoir mis des raccourcis. Hop! Et salut à tous à nouveau! Vous êtes bien sûr qu'encore il n'y a pas plus fort. On se retrouve pour le premier épisode de notre série sur Wildland 4, qui est sûrement l'un de mes jeux préférés aux côtés d'un certain FF7 ou éventuellement d'un Metal Gear Solid 2 et plein d'autres. Jeu que j'ai beaucoup joué. Et que je reprends avec vous pour vous le partager, sachant que j'ai déjà fait le jeu en normal, en hard, mais j'ai jamais joué vraiment en super hard. Donc ça va être l'occasion dans ce playthrough, parce que là du coup avant c'était sur YouTube, donc c'est un peu plus long pour sortir des vidéos. Là on est sur un format un petit peu plus rapide pour sortir du contenu, donc on va en profiter. À savoir que pour jouer en super hard, il faut d'abord avoir fini le jeu en hard une première fois. Donc ça prend du temps, on va le faire en hard, puis en super hard. Ça vous permettra de voir un petit peu les écarts de difficulté. Donc est-ce qu'on est... qu'est-ce que c'est comme jeu que ce Wildland 4? Vous pouvez voir un petit peu les images en même temps, c'est pratique. Vous pouvez voir que c'est un jeu de plateforme avec des mécaniques assez particulières, dont une qui me tient à cœur dans le jeu, dedans, même dans cette... Bon, dans cette série, oui, puisqu'on va dire que j'ai joué que au 4 et à Shake Dimension. Que j'aime un petit peu moins bien malgré tout. Particularité de l'opus, vous l'avez vu, vous avez eu un petit aperçu durant l'écran d'attente de ce stream, à savoir le fameux compte à rebours que nous aurons à la fin du niveau et qui nous donne un petit temps imparti pour en ressortir, auquel cas au risque de perdre tout ce qu'on a fait dans ce niveau, ce qui est assez punitif. Donc du coup c'est développé et édité par Nintendo et c'est sorti sur Game Boy Advance en 2001. Et ça se joue du coup uniquement en solo. Et je pense avoir fait le tour des présentations du jeu. Donc nous allons commencer sans plus tarder notre partie en... en hard. On retourne au menu principal. D'accord, donc j'ai pas du tout accès à mes raccourcis OBS. Ça va être un petit peu l'angoisse. Donc j'espère que ça vous plaira, moi, le jeu. Ah non, raté. Raté. C'est le fail, il se trompe de difficulté. Encore ça va, je m'en suis rendu compte. Ah oui, mais là faut que je les fasse maintenant. On va y arriver. Bah, du coup, ça a sauvegardé. Il faut donc effacer. Voilà. Début d'intro. Petit plot scénaristique avant d'attaquer. Nous arrivons à la fameuse pyramide. Donc l'histoire, c'est que justement Wario a entendu parler de cette fameuse pyramide et qui va tout simplement aller là-bas pour étudier tout simplement l'ancêtre des anciens pharaons, des anciens mayas qui vivaient ici. Non, en fait, il en a rien à foutre, il veut surtout se faire plein de pognon. Ce qui dit pyramide dit trésor.
Nous y allons pour la passion de l'argent. Et nous arrivons à l'entrée. Le tuto qui va nous apprendre un peu les. Bah, principalement les principales mécaniques du jeu. Le hall des hiéroglyphes. C'est parti! Simplement, ça va prendre les touches, les mécaniques de jeu. Et là, nous sommes au portail d'entrée. Là-bas, on ne peut pas passer. On peut faire bas pour se baisser éventuellement, mais même là, j'arrive pas à aller plus loin. Nous allons monter. Touche A pour sauter. Touche bas pour descendre d'un... d'un tuyau. On saute et on monte pour remonter. Un peu comme Mario en fait. Les ennemis vénères, on peut leur sauter dessus, ce qui leur fait, ce qui va juste les déstabiliser. Un quart de... Alors je sais plus c'est quoi, c'est passage... Non, c'est pas le passage émeraude. Attention. On peut bourrer avec la touche B pour faire une charge qui va faire des dégâts. Et si je fais trembler le sol de cette façon pour les faire changer de couleur, c'est tout simplement parce qu'ils rapportent plus de pognon quand ils sont rouges. Mais ils sont plus dangereux aussi. On peut faire B et A pour faire une charge sautée. Ah, laissez-moi l'argent. Oula, j'ai pris les risques, mais c'est passé. Et merci Louloulout pour le host. Et bienvenue aux viewers de Louloulout, de Loulou et Louloute qui débarqueraient. Vous arrivez tout juste au début de cette nouvelle série sur Wildland 4 qui se fera le samedi matin à 10h. Ah non. Repasse en rouge. Il charge. Voilà. Un deuxième morceau de pierre précieuse. Alors est-ce que je l'ai le nom le... Non, c'est juste que c'est le hall des hiéroglyphes. Est-ce que c'est le saphir? Bon, saphir, c'est bleu. Il me semble. Quelle pierre précieuse est violette? L'améthyste. On verra ça après. Donc voilà, les gâchettes Elwear pour... oui, parce qu'elles sont le marché. Elwear pour sprinter et du coup prendre de la vitesse et casser les gros rochers bleus. Ils ne sont pas cassables autrement. Enfin, pas avec la charge standard, en tout cas. Alors, eux, c'est pareil. C'est des ennemis inoffensifs. Hein, ils nous font strictement rien. Mais si on les transforme... Ah, je peux pas les transformer, ils sont pas debout. Si on les transforme, normalement, ils rapportent aussi plus d'argent. Ah, la pièce qui a disparu. Les gros joyaux qui volent 1000. Ça, c'est très important de les récupérer. Car l'argent, c'est pas juste un score, ça sera très utile pour la suite. Les petits objets qu'on peut ramasser et lancer avec B. On peut charger pour mettre plus de puissance. Enfin, si je vais assez vite, je peux aller l'enchaîner tout de suite. Un cœur couronné qui donne le maximum de santé. Vous pouvez l'avoir en haut à gauche. Hein. On commence avec 4 cœurs. Et on peut arriver jusqu'à 8. La petite barre qui est juste en dessous de mes points de vie, c'est à chaque fois que je tue un ennemi que je ramasse une petite boule rouge, ça remplit la barre, et une fois que la barre est pleine, on gagne un cœur. Les rochers, qu'on peut aussi lancer vers le haut, en appuyant vers le haut et vers B, et sur B. Voilà, on va vite aller chercher la pièce, je sais pas si j'aurai le temps. Ça passe. Un autre rocher à lancer, rien de nouveau. Des petites piécettes. Encore un morceau de la pierre précieuse, on va dire, hein. Ça va être plus simple. On en a 3 sur 4. Si on est sur un petit plan incliné, qu'on appuie sur bas, on peut se mettre en boule. Ce qui permet d'ouvrir les passages. Nous avons ici le fantôme clé. Qui va aussi nous être utile. On reroule. Est-ce qu'il y avait des petites pièces 7? Non. Ah non.
Bah, moult pognon perdu, mais heureusement, j'ai tout récupéré. Ah oui, quand on se fait toucher, on perd des points de vie, mais aussi du pognon. Et c'est très important de le récupérer. Car l'argent, c'est important. Et voilà, nous avons les 4 parties de la pierre précieuse de ce niveau. À chaque niveau, nous aurons une pierre précieuse et une clé à récupérer. Donc là, des rochers bleus. Si je fais ma chargeur de bas, je ne peux pas les casser. Je peux pas sprinter pour courir dessus parce que bah, voilà, c'est dans le sol. Petit secret. J'ai découvert il y a quelques jours. Un gros joyau à 1000. Et tout simplement, pour casser les rochers bleus en bas, il va falloir faire une attaque rodéo, mais de très haut. Pour accumuler de la vitesse. Et pouvoir tout défoncer. On va rapprocher le petit caillou. Et là, je vais prendre une pause pour expliquer un petit peu. Nous avons devant nous des petits blocs bleus. Ces petits blocs bleus avec une petite tête de crapaud, bon, c'est pas très ressemblant, on ne devine pas comme ça, mais c'est moi qui vous le dis. Parce que vous verrez juste après pourquoi il y a ce symbole dessus. Ces blocs vont tout simplement switcher entre apparu ou disparu, s'ils étaient pas présents, on va dire, en fonction qu'on ait appuyé sur le petit bouton à la fin du niveau. Et tout simplement, bah, pour passer ici, il va falloir que j'appuie sur le bouton juste à côté. Et donc, particularité de ce Wario Land 4 qui le distingue un petit peu de certains autres jeux de plateforme, c'est le petit compte à rebours qui va nous être donné pour sortir du niveau, sinon au risque de perdre une partie de notre argent ou même tout ce qu'on a ramassé au cours du niveau. Et là, on est en hard, donc c'est pas une minute comme en normal, ça va être 15 secondes pour atteindre la fin du niveau. Donc voilà pourquoi je voulais vous expliquer avant, c'est que là... Ah, je fais la merde. Je vais pas avoir le temps de vous l'expliquer. J'avais pas le temps de vous l'expliquer clairement. Donc là, ça va. La sortie est pas très loin. Si on sait ce qu'il faut faire, ça se passe bien. Si on mongolise pas trop avec le caillou non plus. Et donc voilà, premier niveau terminé. Nous avons les 4 morceaux de la pierre précieuse. Les cœurs nous rapportent du pognon. Bah, notre meilleur score qui était de 0. Et tout l'argent qu'on a récupéré dans le niveau va dans notre sac à butin. Et votre partie est toujours sauvegardée quand vous sortez d'un niveau. La clé nous permet d'ouvrir la porte qui était devant nous et d'accéder au niveau suivant. Et la pierre précieuse va se loger dans cette grande porte à la fin. Porte qui nous permet d'accéder au boss du passage. Alors là, c'était le passage du coup. Ah, le passage d'entrée. Il n'y a pas de nom de pierre précieuse donné. Ici, nous avons le mini-game shop. Et ici, nous avons le boss. Donc là, nous avons tout un tas de mini-jeux auxquels on va pouvoir jouer. Et qui vont nous permettre de gagner des grandes pièces crapaud dorées que vous voyez. Alors, je peux mettre la souris, je crois. Oui, vous la voyez. Qui vont nous permettre de récupérer des bonus qui vont nous assister lors du boss. Mais je pense pas qu'on en ait besoin pour le premier. Donc on va garder notre argent même s'il y avait une promo là pour le coup. Nous avons toutes les pierres précieuses au complet. Voilà, il y en avait qu'une seule. Donc on peut rentrer. Nous avons ici l'item shop. Permet d'acheter les fameux objets qui vont nous assister pour les boss, donc on a différents prix, on dépense ces fameuses pièces dorées qu'on gagne dans les mini-jeux, mais on a aussi un petit article gratuit, c'est les petits sons qui servent à rien. On peut spammer à l'infini, c'est rigolo. Du coup, on va se tenter le boss comme ça, et puis si on voit qu'on a un peu de mal, on ira chercher un petit objet pour nous assister. Il faut savoir que ce jeu, je l'avais aussi fait sur sur YouTube, donc vous pouvez voir tout le playthrough du mode normal. Je fais, je crois, un joli 100%. Pas des disques, mais au moins des coffres au trésor. Mais du coup, là, on va faire au mieux. Hein. Voilà, vous avez les points de vie en haut à droite de l'ennemi à vaincre, nos points de vie en haut à gauche comme d'hab, et 30 secondes seulement. Nous allons bourrer tout ça. Pas si on a beaucoup de marge. Voilà, là c'est l'angoisse. Là faut éviter les charges à l'avant. Oh, c'est bon, on est large.
Ah, un petit dégât. Oh, genre. Genre, l'avant-dernière fois, j'ai pas touché. Et voilà, premier boss vaincu. Bon, c'est le boss du tuto, hein. Les autres seront un petit peu plus délicats. Alors qu'une grande pyramide dorée apparaît, ainsi que tous les autres passages que nous allons devoir passer. Donc nous avons 4 mondes différents, on va commencer par Suggestimètre le premier, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre imposé. Je fais toujours dans cet ordre, hein, l'émeraude, le rubis, le topaz et le saphir. Et nous avons cette pyramide au milieu qui est inaccessible pour le moment. Nous allons aller au passage émeraude. Et là, un peu plus de niveau, vous voyez, nous avons 4 niveaux qui se succèdent avec chaque fois une porte. Chaque clé va nous permettre de passer au niveau suivant. Il va falloir récupérer, donc là on est dans le passage émeraude, il va falloir trouver les 4 parties des 4 émeraudes qui sont là pour débloquer l'accès au boss de la fin du passage. Et tout de suite, tout en récupérant un maximum de pognon au passage. Donc c'est parti pour Palm Tree Paradise, le premier niveau, après le tuto. Ça va être un petit peu plus long. On va fouiller un petit peu plus de partout et essayer de survivre. Avec la musique la plus kawaii du jeu. On fouille tout, on pète tous les cailloux. Le petit effet du disque qui... du vinyle qui dérape, du diamant qui dérape sur le vinyle quand on fait une charge. Si ça s'entend bien. Quand je parle pas. Ah, calme-toi. Petit point d'exclamation rouge. Le loot est trop haut. Il va nous falloir quelque chose pour nous aider. J'ai hésité mais pas trop, ça va. Ah. Ah, toi tu peux mourir. Vous êtes un petit peu collés vous deux. Bon, en attendant. Oula. Donc là pareil on peut pas y aller. Ok. Ah, trop tôt. La petite pièce, bouge, garde ton cul. Ah mais il était déjà rouge, je pouvais le tuer, je suis con. Doucement avec cette lance, il pourrait blesser quelqu'un. Un gros rocher qu'il faut charger. Petit secret. Enfin, un secret qui est obligatoire au final en hard. Parce que voilà, selon le mode de difficulté que vous allez choisir, les trésors vont être placés différemment. Et parfois dans des zones un peu secrètes justement. Alors qu'en normal ils sont un peu plus sur le chemin, là en hard va falloir les chercher un petit peu mieux. Et salut Chitotox, comment ça va? Et à savoir que sur certains niveaux, bah, vous allez avoir des morceaux de pierres précieuses qui vont être accessibles seulement après avoir atteint le timer. Donc ça va être un petit peu l'angoisse pour récupérer bah, tout ce qu'il faut. Là, le Palm Tree Paradise, c'est le premier niveau, ça va, c'est assez simple. Bah ça va tranquille. On débute notre nouvelle série sur Wonderland 4. Le jeu du cœur, le jeu de l'amour. Un de mes jeux favoris. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ces jeux, le dernier que j'ai fait c'était le 3. D'accord, le 3 j'ai jamais joué, j'ai vu Jindes y jouer pas mal. Mais moi j'ai jamais joué personnellement. J'ai surtout joué au 4 et au Check Dimension, pour parler des Wario plateformes, hein. Après il y a les WarioWare et compagnie. Petite zone secrète avec notre vieux chercheur qui cherche des choses. Mais qui est aussi très utile, car vous voyez, nous avons un petit switch activé pour activer cet escalier. Mais comment allons-nous faire? C'est beaucoup trop. Eh bien, c'est très simple.
il suffit de prendre un petit rocher, de viser en haut, et de balancer. Comment ça, c'était pas un rocher? Je vois pas de quoi vous voulez dire. Et 1000 pognons. Pardon. Excusez-moi, monsieur. Ouais, lui, c'est celui sur Game Boy Advance, c'est ça. Bon, je tentais la charge, mais il y avait rien de particulier. On va hésiter à bourrer un petit peu les murs, à voir s'il n'y a pas des fissures par endroit pour trouver un petit secret, ou peut-être carrément, bah, un morceau d'émeraude. Ça, c'est comme Sonic Mania, on cherche les émeraudes. Ah, là, il y a un petit... Vous voyez, il y a un petit brin d'herbe qui signifie qu'il y a un sol. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une petite zone cachée. Ah, bon, bah... on va voir si on peut y accéder par l'autre côté. Ah oui, c'est ça, il n'y a pas de musique dans les grottes. Ah, petit secret. Nous avons un vinyle qui est l'un des objets collectables à retrouver, qui n'est pas nécessaire pour finir le jeu. Mais voilà, c'est un. Si on veut le 100%, c'est à récupérer. Et voilà, nous avons les 4 parties de l'émeraude, il ne nous reste plus qu'à trouver la clé, et à partir de cet endroit, vivant. Et voilà, le secret, enfin la petite zone était là, en fait c'était vraiment pas de plafond, donc il fallait vraiment bien viser, je pense, pour pouvoir y passer. Voilà, en l'occurrence, j'ai repris le mur. C'est celui-ci, alors j'ai pas fait le 3 non plus, j'avais fait le premier, puis le 4 sur GBA. Ok. Ah mais moi je suis un grand fan du 4. Je l'ai fait moult fois. Pas autant qu'FF7 mais... Oh ! Le gâchis ! J'ai tué l'ennemi alors qu'il donnait que 20 pièces. Bah là je l'ai retransformé. Alors juste... J'ai quelque chose à expliquer mais 2 secondes. Alors à savoir que quand on se fait toucher par un ennemi dans le jeu, on subit pas forcément, on prend pas forcément un point de dégâts. On peut aussi subir une transformation, et il y a tout un tas de transformations dans ce jeu. En l'occurrence, cet ennemi nous donne à manger, et cette pomme a l'air très riche en calories, puisque si je la bouffe, ben je deviens un petit peu gros. Ce qui me donne un petit peu de mal à sauter, à me déplacer, mais ce qui me donne un certain poids pour passer certains passages. Les poissons. Je sais pas si on peut les tuer ceux-là. Ah si on peut. Faut juste jouer mieux. Le mode gros fat, c'est ça. C'est celui-là où il y a les chauves-souris. Oui, il y a des chauves-souris dans celui-là. Mais je crois aussi dans le 3 d'ailleurs. Il y a tout un tas de transformations sympas. Alors, je crois qu'il faut que je les fasse par le bas, c'est ça? Là. L'autre, je l'ai eu un peu au pif en bourrant, mais... Comment j'ai fait pour l'achever? Ah si, c'était par le bas, mais je fallait viser mieux. Le petit switch pour remonter. C'est comme Mario. À part que là, on peut les annuler. Attends, voilà. Laisse-moi tranquille. Le petit switch rouge pour l'escalier. Et on récupère la clé. Et si vous vous souvenez bien, on avait des blocs rouges transparents. Toi, t'es pas mort, toi. Donne-moi ton pognon. C'est le jeu du racket, hein, clairement. Normalement, nous avions un bloc rouge transparent par là-bas. Voilà, avec des choses à récupérer. Notamment des petits saphirs à 100. Allez, c'est bon. Tu verras, Shiptotok, je le mettrai sur YouTube, mais je me suis amusé à faire un petit écran d'attente Wildland 4. Bon, il est perfectible largement, mais bon, pour... Le temps que j'ai passé dessus, c'est déjà pas trop vilain. J'y suis allé là-haut. Je mettrai ça sur YouTube, mais il sera là en début de chaque stream et j'espère améliorer au fil des semaines. Le petit rocher, le scientifique qui nous est toujours d'une grande aide. Donc là, ces zones bonus sont plutôt optionnelles, c'est juste en général pour récupérer un gros saphir à 1000 points. Mais là, nous avons besoin de notre ami le scientifique et de son cerveau, enfin surtout de sa tête en fait, pour ouvrir ce passage. Et là, normalement, je m'accroupis. Ah, je peux pas m'avancer accroupi? Comment ça se fait? Ah, est-ce que c'est le joystick qui fout la merde? Attends. Ah, si je peux pas me déplacer accroupi, va y avoir un souci. Ah, je devais jouer avec une manette PS avant. On va changer les touches.
On va utiliser la croix directionnelle, mais bon, c'est la croix directionnelle de Xbox, ce qui est pas top. Mais là. Ou alors, faut que je règle mes joysticks mieux. Motion configure? Non, peut-être pas. Ah, ça. Attends. Down, left, right. Non, je peux faire que haut et bas les. Avec le joystick, j'ai pas l'impression qu'il me gère les diagonales. Joypad. Voilà, j'ai juste la configuration des touches. Autofire, on s'en fout. Défaut de joypad, OSF aussi. Bon, on va faire avec les flèches, hein. Mais je sens que ça va être un peu délicat. Ah, voilà. Bon, ça va mieux, mais après, est-ce que mes autres gestes seront imprécis? Ouais, je peux pas utiliser les deux à la fois, c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Ah ouais, limite, je devrais récupérer ma manette PS, en fait. Le problème, c'est que je l'ai plus. Ah, j'ai clairement pas l'habitude. Bon, on va voir. On va essayer. Si je vois que c'est trop la merde, on repassera au joystick et on mettra... on reswitchera la config juste pour ces passages-là, ce qui va être un peu nul. Je vous dis que j'aurais mieux fait de jouer sur Wii U. Mais la Wii U c'était moins fluide. Et voilà. L'interrupteur, alors on va pas y aller en mode gros, de toute façon je suis sûr que je peux même pas sauter dessus. Alors pour redevenir mince, il faut faire du sport et marcher un peu. J'ai peur de le toucher. Ok. La voie est dégagée. Nous avons tout récupéré, donc il va falloir revenir. Il va s'ouvrir un peu mieux. Il va falloir revenir au début en 45 secondes. Ça va. Oh, wait. Alors là, le sprint est très pratique du coup dans ces moments-là. C'est le jeu de la bourrance pour le retour. A savoir que si on arrive à la fin du timer, c'est pas la fin. Si on a plus de temps, ça devient notre argent qui est décompté, qui fait office de temps. Et je crois que tous les 1000 pognons, toutes les 1000 dollars, on a 15 secondes, je crois. Donc ça fait du temps supplémentaire. Nous avons récupéré tout ce qu'il fallait. Le disque, l'émeraude complète, la clé, nouveau meilleur score. Et on ajoute de l'argent à notre butin. Alors, je sais plus à quelle heure on attaquait, on a dû attaquer peut-être bien après 4h30 je pense. Et voilà, première émeraude nous permettra d'accéder au boss. La clé nous a permis d'ouvrir la porte et nous pouvons accéder au deuxième niveau, Wildflower Fields. Encore une musique très, très calme, très champêtre. Butine! Butine cette fleur! Ah non! Je pensais que ça donnait. Ah si! Ah voilà, si ça donne un peu du pognon. Une particularité des guêpes, elles ne font pas de dégâts, mais. La piqûre nous fait un petit peu gonfler. Elle nous permet de nous envoler. Espace d'un instant, vas-y, pollinise. Je récupère ce pognon. Alors par contre, vite. Avant que ça disparaisse. Et apparemment, il y avait des choses à faire en haut. Là, on a un cœur aussi. Viens par là. Viens voir Papa Wario. Ah, on peut faire B, on peut faire B pour monter plus vite. Et je vais voir ce qu'il y a là-haut aussi. Donc des fois, ça va être... Ah, un peu l'angoisse de se faire toucher par les ennemis, mais des fois, ça va nous aider à accéder à des passages inaccessibles autrement. Oh, un passage secret. Ah. Ah, faudrait que je sois en boule pour ouvrir ça. Y'a pas un plan incliné quelque part? Si, mais c'est pas accessible. Par contre, y'a moyen d'aller plus haut, je pense. De mémoire. Y'aurait pas un trou comme ça. Bah, faut bourrer à gauche.
pense pas qu'on puisse aller plus haut. Ah si, on peut peut-être aller plus haut encore. Aller plus haut. Ça va être assez serré, mais je crois que ça doit être possible. On va essayer. C'est le jeu de l'exploration. Par contre, si je bourre trop à droite, est-ce que je vais pas toucher... Ah, comme ça. Ça passe. Ah, un disque. À tous les coups, il y a un truc à droite, va falloir qu'on refasse. Nous avons trouvé le vinyle. Je pense que je vais pas y arriver. Hein. Est-ce qu'on a quelque chose là-bas? Non. Ok. Par contre, c'est là-haut. Ça m'intrigue. J'ai vu une feuille, mais je pense pas avoir vu de loot. On peut checker vite fait. Hein. Histoire d'être sûr. Toujours accompagné d'une petite déformation de la musique, hein, cette transformation. Ça passe. Non, je crois qu'il y a rien. Ok. Attention les pics. Bon ok, on va aller plus loin que le premier écran du coup. Ok. Donc les chenilles ça se transforme pas. Hein. Oh, grosse pièce. Ah, c'est si je les laisse un petit peu mûrir les... Est-ce que ça grossit avec le temps? Ah oui! Plus de rentabilité. Oula! Ah, plus de rentabilité, mais si on attend trop, ça fait un ennemi. Ça peut... D'accord, faut attendre, mais pas trop. Ah, là, ça, c'était moi, ça. Vas-y, pollinise. Ouais, d'habitude, je bourrais toujours, et j'apprends encore des choses, hein, malgré avoir fait le jeu moult fois. Ah non! Bien. Va. Après, faut pas se faire toucher par la guêpe, sinon, du coup, les pièces disparaissent si on met trop de temps à revenir. C'est tout un... Ah, je pensais pouvoir y péter, vu que c'était un peu d'une autre couleur. Est-ce que j'ai mal visé? Est-ce qu'il fallait que je bourre? Non. Apparemment, on peut pas passer. Oula! Ah, dommage, j'ai trop attendu. Allez. Excusez-moi, c'est vous. Oula, oula, vous êtes beaucoup trop nombreux. Ah, des pics. Le pognon, là. Ah, là, non, je crois que je vais prendre un dégât, là. Aïe. J'ai fait tomber une pièce, mais je sais pas où. J'ai l'impression qu'il a vite disparu. Il y a 20 000 fleurs à butiner. Allô? Je suis là. Ok, l'ennemi m'ignore complètement. Ah, voilà. Can you button this flower? Genre. Vite. Voilà. Il m'a failli me faire arnaquer là. Non, c'est bon. On s'occupe de moi, merci. Je t'ai pas réclamé à vendeur. C'est un peu l'angoisse. Ok, il doit rester des fleurs à gauche, je crois. Ok, il y a celle-là et je crois que c'est tout. Hein. Laissez-moi tranquille. Allez, celle-là. Ici. Vraiment? Vous êtes presque. Voilà. Ça s'en va. Et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ah merde, mon golo. Ouh, c'était juste. Ok, un gros rocher bleu qu'on peut péter. Ah, faut que je vois si j'ai pas oublié des trucs à gauche quand même. Non, je pense que c'est bon. Allons là-bas. Ça doit être juste en dessous là. C'est moi ou la guêpe m'a dévié? Je suis parti à gauche. Non, je peux la tuer parce que si je me loupe, je prépare monter et je serai baisé. Ah ok, ça me balance des rochers. Viens par là, il peut faire trembler le sol pour faire remonter les ennemis. Bah c'est bon, il est mort. Hein. Enfin, il est déjà en haut.
là je vais pas pouvoir passer. Nous avons une partie de l'émeraude, sachant que pour l'instant j'en ai zéro. Ah, je ne regarde pas. Ok, là je peux pas y aller. Ah, je peux pas le faire remonter assez haut, c'est parce qu'il est pas sur ses pattes. Ah, voilà. Bah alors, bon. Bon, mieux. Petit rocher. Ça ne marche pas. Ça, je m'empale pas sur son pic. Il y a celui d'en bas, attention. Ouh, la grosse pièce. Il me fait perdre tellement de pognon. L'argent des abonnés. Attends, remonte. Avant que je me reperde 500. Alors, je sais pas s'il y a de la perte ou si on récupère ce qu'on a perdu ou si on récupère qu'une partie. Mais là, perdre 500, plusieurs 500 à la suite, ça fait mal quand même. Ok, on a débloqué le passage. Allez, premier morceau d'émeraude. Donc les premiers niveaux, c'est assez facile à trouver, mais c'est pas impossible que sur les suivants, on soit un petit peu obligé de regarder un peu les solutions si vraiment c'est trop planqué. Surtout en super hard, je pense. Ok. Donc vous voyez, là, c'est les blocs transparents de grenouilles. Si je active l'interrupteur, on pourra plus passer par là. Et merci Silence pour le petit coup de bite. Des bisous. Merci beaucoup. Et du coup, nous avons Kirobiro qui perd 50 points de vie. Plus que 50 et il sera vaincu. Merci pour ta générosité. Déjà le giveaway de l'autre jour. $50, c'est ça, Géo, non? Ah oui, pour enflouer l'argent des abonnés qu'on a perdu... suite aux ces espèces d'ennemis... ces ennemis drill, je sais pas trop comment on pourrait dire en français, perceuse. C'est un peu médicament aussi, mais... Rendez l'argent des abonnés à Wario. C'est pas le sien, mais rendez-lui quand même. C'est quoi, c'est un tuyau, ça? Ok, je peux pas aller plus loin. Apparemment on a le trou juste à droite là derrière donc sous le caillou bleu. Donc il va falloir prendre de l'élan. Mais on a vu un petit passage pour nous aider. Alors vous voyez là la clé est cachée derrière l'interrupteur, donc sans doute qu'il va falloir trouver l'interrupteur pour avoir la clé. Enfin actionner l'interrupteur. Oula. Ah ouais voilà. La croix directionnelle de la 360. Qui va pas droit. Bon, au moins elle fait bien les diagonales, mais un peu trop. On va débloquer ce passage si on veut remonter. Est-ce qu'on tarde de bourrer quand même? On n'avait pas besoin d'aller aussi haut. Ah oui, on a bien fait de bourrer. Par contre, je crois, Silence, ça donne pas de coco les bits pour info. Pas encore cette possibilité. Du coup, même quand je prends une échelle en appuyant juste sur bas, ça part en glissade. Non, je vais pas pouvoir passer. Il va falloir que je mette du vieux. Hé hey, papy, j'ai fait une découverte, viens voir. J'ai quelque chose à te montrer. Ça dépasse l'entendement. C'est par là-bas. Et normalement, si on rebondit sur un ennemi, on peut sauter plus haut. Ah, si on saute dessus, évidemment, voilà. Ça marche aussi avec les rochers, papy. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ah, du coup, j'ai dit que tu avais fait 50 dégâts à Kirobiro, mais par contre, ça fait pas gagner de coco les bits, pour l'instant. Ils ont pas encore ajouté la fonctionnalité, mais tu le sais peut-être déjà. Non, quoi que non, tu utilises pas l'extension Streamlabs.
Donc je te l'apprends peut-être. Sauf si tu l'avais appris ailleurs. Oui, je parlais des bits. C'est en fait les cocos, on en gagne aussi en... Ah mince, ah bah c'est juste pour un cœur. Y a pas un trésor à récupérer. Bon, si c'est que ça, ça va. Pour les cocos, on en gagne en regardant le stream un certain temps. Et on en gagne aussi avec les dons en argent réel. Sur Streamlabs, à raison de 100 cocos tous les 1$. Mais par contre, les bits ne font rien gagner pour l'instant. Bah, pourquoi je fais... Ah non, c'est par le bas. Mince, ah bah merde, voilà, on a perdu de l'argent. On a perdu de l'argent. Vite, ah non, on a récupéré l'argent, c'est bon. Ah, faut vraiment les avoir par en bas, eux. Mais, ça... Mais là, c'est un peu la galère, vu qu'ils sont un petit peu bas. Faut que je le fasse monter. Ah, voilà, ils montent. Voilà, un petit coup de boule, ouais, sauf... Pour 10 pièces, quand même, hein. Au risque de perdre bien plus. Ah mince, il va en bas. Je pensais qu'il monterait. Du coup, je l'aide à aller plus vite. Voilà, et là, remonte. Ouais. On gagne aussi 10% de vie. Si, mais j'ai pas regardé plus que ça. T'as aussi un truc avec les top shears dans le panneau. Dans les panneaux. Sur Twitch, là, du coup. Dans mes panneaux à moi. Ouais, top shears, ça fait rien de particulier chez moi, c'est juste qu'il est montré un certain temps. Ah, j'ai loupé un pognon. Wait. Bon, apparemment il y avait rien. Donc il me manquait un petit... Ah, c'était pas là. Il me manquait un petit peu de pognon. C'est toujours pas là. C'est pas là non plus. Non, fallait aller en haut, je crois, et puis après, voilà, prendre à droite, je pense. Voilà, je bourre à... Non, c'est à gauche, c'est à gauche. Voilà. On va peut-être voir ce qu'il y a là, du coup. Je sais pas si c'est un cul-de-sac ou si c'est la suite. J'ai l'impression que je pourrais pas redescendre. Donc on va aller voir ce qu'il y a à gauche. Ah, un morceau. Un morceau d'émeraude avec les petits 500$ qui vont bien avec. Est-ce qu'il y avait... Non, là en bas, je fais un tour gratuit, ok. Bon, je crois que j'ai tout exploré hein, de ce côté-là. Non, là, il n'y a pas d'intérêt à aller là-bas, parce que je peux pas faire demi-tour. Arrête de tourner en rond. Turn around. Oh, bien vu. Je vais tenter au cas où, mais j'étais pas sûr, comme à chaque fois que je tente, là, comme j'avais tenté tout à droite ou dans l'autre écran. Bon, s'il y avait un truc, je me dis, il y a peut-être quelque chose, il y avait rien, et là, pour le coup, il y avait quelque chose. Mais je savais plus que c'était là. Ou dans le doute, je les tente tous. Avec les extensions... ces leaderboards, ça te fait un panel avec une pyramide des top shears. Ah oui, d'accord. Oui, il y a une extension pour ça, ouais. C'est vrai. Ok. Je pensais que tu parlais d'extension que j'utilisais ou de quelque chose sur ma chaîne, en fait. Ok. Chaud, chaud, chaud. On a tout eu. C'est tant mieux. Bon, les chenilles, je pense pas qu'on puisse les transformer, hein, non. Les pauvres chenilles qui ont rien demandé. Retourne sol. La pièce, la pièce. Oula, il y avait un rouge juste en dessous. Ah, bonjour. Ah, mais attends, je vais pas pouvoir remonter, là. Si je fais trop le con. Ah, voilà. Ah, mince. Ah, c'est la tristesse. On a tué tous les ennemis, on va pas pouvoir monter. À moins qu'il y ait une guêpe quelque part, mais... Je crois qu'on l'a dans le cul.
Alors on va voir si on peut reset la salle et faire revenir un ou deux ennemis. Mais je crois que c'est mort. Hein. Ha! Bon, à moins de trouver une guêpe, on pourra pas le récupérer celui-là. Ah, vite, donne-moi l'argent. Non! Bon, tant pis. Donc là, tu regarderas, je l'ai activé. Ok. Je crois que Muxi il fait ça aussi. Ah, y a pas de guêpe. Ah, je suis baisé. Ah, je suis tellement baisé. À moins que... Double butinage, est-ce que ça fera plus de pognon? Je ne pense pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir si je peux remonter éventuellement jusqu'à... Ah! Non. Voilà. Faisons ça mieux. Si je peux remonter vers le morceau d'émeraude qu'on avait vu, par l'autre côté peut-être, avec un peu de chance. Ah, si, ça doit rejoindre. Si. Nickel. Tu n'es pas perdu. Alors, attention toi. Attention avec ta lance, tu vas blesser quelqu'un et surtout moi. Ah, il nous reste une partie et la clé. Donc là, on avait dû éliminer tout le monde. Donc voilà, la clé, tant qu'on n'a pas activé l'interrupteur, on pourra pas la récupérer. Par contre, il manque toujours un morceau d'émeraude. Hein. Si on trouve la sortie, si on trouve l'interrupteur, il nous manquera toujours un morceau. Ah mince, je l'ai pété trop tôt. Sans faire exprès. Oula, j'avais pas vu qu'il l'avait déjà butiné. Je vais beaucoup trop haut. Je vais jamais avoir le temps de les récupérer. Fous-moi la paix. Allez-vous-en. Tout ce pognon gâché. Non, ça c'est mort là, je pense. Ah, lui. Je crois qu'ils en ont butiné un autre. Non. Ok. Ah. Mettez-moi la paix. Ok, il reste celle-là. Et puis il faudra voir ce qu'il y a en haut, notamment bah, le morceau d'émeraude qui nous manquait. Ah. Mais non, mais quel con. Mongolo. Ah bah oui, bah j'ai même pas assez attendu au final. Ah mais là, elle est morte ma pièce. Ah! Interrupteur. Poussez-vous, pardon, excusez-moi. S'il vous plaît. Je demande de vous arrêter. Bah je suis full vie. Ok Chigo, bonne soirée. Bah bonne soirée à toi Silence, merci d'être passé. Et merci encore pour les bits. Des bisous. Bah alors. Il allait s'empaler tout seul contre le mur. Ah non, je voulais pas aller si loin. Est-ce que les guêpes nous rapportent quelque chose en fait? J'ai même pas essayé. Non. Ça rapporte 0, donc ça sert à rien de chercher à les farmer. Autant les garder tant qu'elles nous sont utiles. Ah, gros rocher bleu. I wanna be fat. Ah, ok. Merci. Et bim. Boule d'argent. Et zone bonus. Et des vies. Et de la vie. Bonjour le vieux. Allez, je crois avoir vu des ossements juste au-dessus. 100%. Switch rouge. Ah non, raté, c'était pas parlé, excusez-moi. Il me semble que c'était plus là-haut. C'est par là. Ah bah non, je me suis trompé. Excusez-moi. Je dois y aller.
Arrêt brutal. Laissez-moi passer. Non. Ou ça va être chiant. Bon, faut que je les tue par en dessous, en fait. Parce qu'à tous les coups, faut que j'en laisse ça en vie pour péter le rocher, là. Ah, mais j'ai... Je peux pas grimper si j'en ai un dans les mains. Ah. Ah bah non, y'a pas besoin, en fait. Je mords comme ça. Donc il nous manque juste la clé. Et on a dû récupérer la plupart des trésors, je pense. On a pas eu d'autres passages qui étaient bloqués, vraiment. Allez, c'est parti. 1 minute 20. Et 12 000 dollars, mais bon, on va éviter de le dépenser. Pardon, je suis passé, excusez-moi. Poussez-vous. Poussez-moi, excusez-vous. Ça devait être là-bas, la clé, hein. Parfait. Oh là. Ah, il y avait cette zone qu'on n'avait pas fouillée. J'ai juste de la santé. Ok. Si, il y a une zone cachée qu'on n'a pas dû trouver, je pense. Et puis eux, ça fait du pognon, faut les tuer. Voyons. Quel gâchis. On a du temps, profitons-en. Non. Aïe. Ça pique. Ah d'accord. Oh l'angoisse. Non, en fait, on n'a pas le temps. Hein. J'avais oublié ça. Allez vite, piquez-moi. Je suis allergique, piquez-moi. C'est bon, ça passe. Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Ah oui, je te veux. Je te veux, mais je veux aussi la gauche. C'est bon. Oh, joli, joli, joli. Il restait un autre truc à accéder là-bas. Il faut que je saute au bon moment. Ah ah ah. Vite. Vite. Le temps. La clepsydre. Là. Oh oui. Je vais redescendre. Comment je m'en vais d'ici? Ah merde. Comment je me casse? Ah voilà. C'est bon. Bon, on a perdu. On a gagné 1000. On a perdu 200. On est quand même rentable sur... sur ce dernier saphir. Mais bon, j'ai paniqué un peu, j'avoue. Je dis c'est trop, il y a forcément un mur à péter quelque part. Allez, on a toutes les émeraudes, le vinyle, pas mal de pognon, on aurait pu faire un petit peu plus, mais bon. C'est déjà bien. Deuxième émeraude sur 4. Plus que 2. Mystic Lake. Dodan. Allez, même topo. Une émeraude, une clé. Des trésors. Petite plateforme qui s'activera. Permettra sans doute de prendre de l'élan pour péter ça. Oui, on va prendre le cœur, on a bien besoin. Sûrement qu'il nous faudra un caillou là. Parce que je pouvais peut-être balancer l'ennemi, mais je l'ai déjà tué. Ça se trouve, ça va être à la fin qu'il va falloir y aller. Ah. Ok. L'ennemi m'a dit non. La palourde, je sais pas si on peut la défoncer. Par en dessous, peut-être. Ça me semble délicat, mais... je pense pas qu'on puisse le vaincre, celui-là. Ah si, on peut. Bon bah, on le saura. Y'a pas un autre poisson? Il est passé où? Il y a des pop. J'estime à peu près où est le bord. Non, ça peut pas marcher à tous les coups. On l'avait passé d'élan. Ah bah le voilà. Ah non. Petit coup de bol. Je tiens, la roche est pas pareil, mais non, c'est juste le décor qui est différent.
Ok, bah salut. Nous explorons les fonds marins. Ah, la recherche d'argent. Ah non, c'est bon. Oh, j'ai loupé. Je vais être trop sur le côté. Les 100 pognons. Avec cette croix directionnelle de l'angoisse. Ah, c'est qu'il tournait à ce moment-là, d'accord. Je me débarrasse au moins de lui, voilà. Ah bah, des deux, voilà. Beaucoup de risques pour une petite piécette. Mais on l'a eu. C'est le plus important. Oh, il a tourné à ce moment, quoi. Ça se trouve, quand il monte, ça passe. Oula, mais il fait pas le même pattern. Ah, ça passe. Ok, avant de changer l'écran, on avait des trucs un petit peu en hauteur. Notamment 1000 pognons. Ah, petite faille ici. Ok, premier morceau d'émeraude. Ah, je pars pas droit. La santé. Et une petite zone bonus. Et un petit vieux. Va voir là-bas ce qu'il y a. Par l'éclaireur. Avec ces petits bruits sympathiques qui poussent. Ah, à chaque fois qu'il tombe dans l'eau, faut reset. Je crois que c'est que quand il est en boule qu'il peut péter des rochers, mais là on tenait quelque chose, j'avais l'impression. Ah non, parce que je le percute. Mais j'ai le souvenir que c'était un peu l'angoisse. Cette zone bonus là. Attends, je vais essayer en m'éloignant ce coup-ci. Non, je prends pas assez d'élan. Une fois qu'il est dans l'eau, il fait plus rien, c'est mort. Ah, raté. Mais non mais, je vais tellement aller vite à gauche que du coup je balance à gauche. J'y arrive plus. Non mais je lâche trop tôt. Non, c'est pas ça hein. Alors, est-ce qu'il y a un bloc qui est plus fragile que les autres? Non. Ah, ah. À gauche, à gauche. On va essayer la même chose à gauche. Mais de mémoire, c'était un peu la merde, celui-là. Thank you.
Non. Bon, c'est pas grave. Comme j'avais dit, c'est optionnel. On va le laisser. Si vous êtes inspiré, n'hésitez pas. Ok, bah du coup on a fait le tour de ses grands. Ah oui, lui il était sorti de l'écran, on l'avait même pas tué. J'ai cru qu'il passait pas lui. C'est con, on a trouvé le secret, mais voilà. C'est pas pour autant qu'on profitera de la récompense. Des grosses murènes qu'on peut pas tuer. Ça c'est certifié, j'ai lu sur le wiki. Par contre, il peut nous bouffer. Hein? Ah! J'ai glissé. J'ai glissé sur la croix directionnelle nulle. C'est moi qui ai mongolisé. C'est pas passé loin. Ah. Un petit peu risqué là quand même, hein. Sur la montée ça passe, on le dit. Et descend. Ah, ça va, une fois qu'il est pop, je l'ai. Une fois qu'il est pop, il nous fait plus de dégâts, j'ai l'impression, on rebondit juste dessus. Peut-être parce qu'il sort plus les dents après. Et... tape-le. Mais tape-le. Pourquoi je le pousse? C'est quoi ce bordel? Ah, bien joué. Le gros saphir. Allez, péter les cailloux parce qu'il y a des trucs dedans. C'est important. Ah, ok. Mais meurs ! Bon, je vais arrêter les conneries parce qu'après je vais plus avoir de vie. Le problème c'est que maintenant il est en haut. Il peut me charger d'en haut. Bon, on va garder nos deux points de vie. Hein. Bon, le petit rocher, tant pis. Le pognon, c'est important, mais le ramener en vie, c'est important aussi. Ah, un cœur. Ah, je peux pas passer, là. Je fasse le tour. Bon, je peux retenter ma chance, j'ai trois cœurs. Allez, je tente la droite. En plus des ennemis, voilà. Il y a du pognon qui traîne à récupérer. Elle va disparaître. Ah, j'ai l'impression que tant qu'elle ne touche pas le sol, le timer de disparition n'est pas lancé. Voilà. On récupère un petit peu de vie. Il faut savoir de base, si je ne touche pas la manette, Wario remonte en direction de la surface. Ah, c'est paumé. Donc il faut sans cesse compenser la remontée. Ouais, là je les pousse alors qu'avant j'avais pu en taper, hein, comme ça. J'ai que 3 points de vie, on va se calmer. Faut y bourrer ça. Oh, y a un trou de l'autre côté. Sûrement louper un morceau d'émeraude avec ça. Les petits marteaux. Transformation ressort. Ah, sauf que c'est pas comme ça. C'est là. Petite fissure dans le mur. Ah, deuxième morceau. Enfin, troisième morceau d'émeraude. Il manquerait le deuxième, apparemment. J'ai dû louper quelque chose. Ah, je voulais pas te tuer. En fait, je voulais juste péter le bloc en dessous. Y'a rien là-bas.
Ah là, j'ai dû en louper un, j'hésite à faire demi-tour pour refouiller, mais bon. Au pire, on va faire le niveau une première fois et on fouillera mieux une seconde fois. Car évidemment, on peut refaire les niveaux. Hein. Ah oui, c'est juste que si j'arrivais à passer en évitant la bulle, j'évitais ses ennemis de l'angoisse. Mais bon, on sait jamais s'il y a des trésors en haut. Okay, on a ces espèces de barrières horizontales qu'on peut franchir qu'en bulle. En bullant. Je me fais avoir par toutes les bulles maintenant. Ah, nous avons la quatrième partie juste au-dessus. Il nous manque toujours la seconde. Ah, je l'ai eu. Ah, par contre, la bulle qui me permet de passer le courant et de récupérer le quatrième morceau d'émeraude. Et il manque toujours le deuxième. Bravo, Levo. J'ai plus un peu plus que 3 points de vie. Il faudrait se calmer. Ah, parce qu'en plus, là, je crois que sur ce niveau, le retour se fait par un autre passage. Et du coup, bah, va falloir un peu l'explorer aussi, tout en évitant de décéder. Oh, genre, il m'esquive, quoi. Bon, après, on joue quand même pour 10 pièces à chaque fois. Hein. Il charge à chaque fois. Il prend une petite accélération au moment où j'arrive. Et le passage du retour, bah c'est là-haut. Ce sera déjà ça de récupérer. Ouais. Il va nous manquer le deuxième. Alors soit il faut quand même atteindre la sortie pour l'activer. Attends que je me souvienne de celui-là. D'accord, j'ai compris. Mais non, reviens. Voilà. Wait. Merci, vieux. Excellent. Alors que l'interrupteur, et nous n'avons toujours pas la clé. Et là, on va pas pouvoir passer à cause du courant. Ah! On revient où, juste? Ok. Alors, chose que j'ai dit, c'est que les interrupteurs pouvaient occasionner l'apparition ou la disparition de ces blocs grenouilles, mais l'activation de l'interrupteur peut aussi occasionner des changements majeurs dans la conception du niveau. Et notamment, bah, pour passer, il va falloir inverser le courant. Vous voyez à droite, vous avez une cascade qui coule, de l'eau qui s'écoule, donc qui génère du coup le courant. Et c'est ce courant qui nous empêche de passer justement, et comme c'est une espèce de bouche d'eau en forme de grenouille qui fait passer cette eau, et ben en activant la grenouille, en activant l'interrupteur grenouille, et bien on va faire disparaître, on va fermer cette bouche et arrêter le courant, ce qui va nous permettre de passer juste en dessous. Nous avons 2 minutes pour récupérer la clé, le deuxième morceau d'émeraude et se casser si possible en vie et avec de l'argent. Un programme. Ok, vous voyez, ça a même fermé la sortie.
Pour éviter bah justement que le truc pour éviter que bah y ait plus d'eau, parce que s'il y a plus d'eau bah on peut pas monter non plus. Donc faut bien couper l'évacuation. Puis surtout que ça nous empêche de repartir par là où on est arrivé, donc comme j'ai dit, emprunter l'autre chemin qu'on connaît pas, où il y a des ennemis, où il y a des choses à récupérer. Et peut-être notre deuxième morceau d'émeraude du coup. Même si j'y crois pas trop, vu qu'en général ils sont censés être dans l'ordre. Alors toi, tu vas nous ralentir plus qu'autre chose. Donc, voilà, va là-bas. Ah non, toi aussi. Récupérons le pognon. Après, le pognon, c'est toujours 10 secondes en plus pour ressortir, donc... on récupère pas complètement pour rien. Et les oursins. Les châtaignes, je ne sais pas. Ah, je vais pas avoir le temps de te transformer 20 fois. Bah, même pas le temps de te tuer, hein. Ah. Non, il n'y a pas de passage secret ici, donc vite, maigris, sinon je peux pas grimper. Brûle mieux tes calories. Non. Meurs de décès. Voilà, laisse-moi récupérer 100. Ce qui va me donner une demi-seconde de plus. Ah, ça pique. J'ai plus que 3 coeurs. Tout va bien. Ah, c'est pratique ça. Ah. Voilà. Je passais en bas, hein. Voilà, le passage. Ah, c'est peut-être là. Ah, vite, vite, vite. Ah non, c'est un CD. Bon, on s'est fait chier à fermer du pognon, donc on va le ramener, puis on... Attends, elle est où la sortie? Ah, c'était là. On ramène l'argent, on a bien tout fouillé, on a eu les 500 des coffres, les gros joyaux. On ramène. Et il nous manque la deuxième partie d'émeraude. Alors certes, on a eu la clé et on va avoir accès du coup au troisième niveau, mais si on finit les 4 niveaux, on n'aura pas encore accès au boss. Donc soit on joue la carte de la nouveauté et on découvre un petit peu le quatrième niveau, soit on retourne ici puis on farm pour trouver ce qui nous manque. La Monsoon Jungle. Allez. On y va. Jouons la carte de la nouveauté. Ah, la pluie. On est dans la flotte. Alors que la clé est juste à côté. On avait besoin de ce rocher, je crois. Oui, d'accord, pour péter ça et après, ok. Peut-être que je sprint pour vite le récupérer. Ou le bourrer au moins. Ah, raté. Je l'ai eu. Enfin, je l'ai fait tomber. Je l'ai empêché de tomber dans le trou. Du pognon. Donc la clé on peut la récupérer, elle est juste à côté, mais le souci c'est que vous voyez, il y a cette plateforme qui n'est pas apparue. Donc il va falloir trouver quand même l'interrupteur pour pouvoir récupérer la clé. Et ça va pas plus bas. Ah, j'arrivais pas à descendre, j'étais peut-être trop descendu même si on voyait rien. Ok, là c'est pour reprendre la sortie. D'ailleurs on peut pas sortir tant qu'on n'a pas trouvé l'interrupteur, c'est impossible. Si on peut faire... give up, mais du coup on perd tout ce qu'on a gagné évidemment. Le pognon, les morceaux d'émeraude, la clé. Il faut obligatoirement terminer le niveau. Est-ce que eux je peux les tuer? Non. Bon, j'ai récupéré une partie de l'argent. Bon, je pense qu'on peut pas eux. Sauf peut-être quand ils sont en l'air. Mais j'ai des doutes. Je crois que dès qu'on est au-dessus... Voilà. Dès qu'on est au-dessus d'eux... Ah, ça essaye de nous mordre les biches. Bah oui, suis-le. Évidemment. Ah, mon argent, je l'ai eu. Alors, le tout, c'est d'arriver de l'autre côté sans perdre toute notre vie et notre argent. Ah oui, j'ai plus que 2 coeurs, en fait. C'est un peu l'angoisse. Ah bah, il s'est suicidé.
Je vais le sauver. Non, je vais juste sauver l'argent. je sais que son destin est... Je sais qu'il est décédé. Ah, de la vie. Ces petites plateformes de l'angoisse. Non, je peux pas rouler ici, ça roule pas assez. Ça descend pas assez. Oh, je veux la vie. J'ai cru qu'elle allait se retourner et me charger, mais non. Ah, trop loin. Ah. Oh, je suis passé à travers l'ennemi. Je veux récupérer celui-là. Mais je pense que j'ai plus perte de vie qu'en gagner. Ah, tiens, petit passage dessous. Oh. Bah voilà. Problème de santé résolu. Et 500. Bon, je crois qu'on va le laisser tomber, le petit rubis bleu. Enfin, non, faut que je me laisse tout simplement tomber, en fait. Faut que j'abandonne l'idée de... d'aller de l'autre côté. Ah bah voilà. Rentabilité. Bon, c'est bon. On a récupéré l'argent. Bon, perdre 10. Non. Perdre 200 pour gagner 10. Y a plus rentable quand même. Alors ça, je crois que ça fait pas des dégâts. Ça doit faire comme les guêpes, je pense. Excusez-moi. Oh, tout défoncé. Par contre, on va défoncer ça avec avec méthode. Ah, pour ne pas gâcher les pièces qui pourraient en tomber. Voilà. La destruction, mais la destruction méthodique. Bon, attends, on va faire par le côté, ça ira plus vite, je pense. Là, faut que je sois gros. Il me faut le Fat Wario. Est-ce qu'il me balance une pomme d'en bas? Non. C'est juste l'autre qui veut me piquer les fesses. Vas-y, aboule ta pomme. Pardon. Non, ça se trouve, je les ai tous tués. Je vais pas pouvoir aller là où je veux. Ah. Ah, j'ai loupé. Ah, j'ai loupé. Ah, j'ai encore loupé. Plus des rouges. Hein. Ah, deuxième morceau de d'émeraude, on n'a pas trouvé le premier. Ah, les gens hard, ils sont un peu planqués, j'ai l'impression. Hein. Bravo. Ah oui. Faut le faire monter. Bon, je sais plus quoi, mais il faut le faire monter. Je m'en souviens. Ah, bonjour. Pour ça, sûrement. Ouh, je crois que c'est encore plus compliqué que ça, même. Elle n'est pas bougée. Alors, eux, on peut pas les retourner avec une charge, faut faire une super charge. Et pour faire une super charge, il faut une super hauteur. Je veux mon argent, je veux mon argent. Par contre, la roulade, je pense pas que ça passe. Hein. Ça passe 100%. Alors, est-ce que je vais réussir à récupérer leur argent? Ça me semble un peu loin. Ah, alors qu'un n'est pas mort. Ah, il a fait que je fasse comme ça, en fait, je pense. Ouais. Et là, j'aurais été plus rentable. Regarde, c'est des secrets, hein. Là, ça aurait pu marcher aussi, je pense. Là, j'y serais tous retournés. Que dalle. Ah, bah non, j'étais bien là-haut.
Je sais, alors voilà, pour retrouver où c'était. Est-ce qu'on a plus l'aide des autres? Bon, est-ce que pour 100 on y retourne? Oh non, c'est bon. vas-y, faut que je vois quand même. Faut que je sois sûr. Ok, on est d'accord. Ah, ça me permet pas de péter les cailloux. Bon, ça va, les ennemis comme ça qui transforment ne décèdent pas définitivement. Contrairement aux ennemis qui rapportent du pognon et qui sont bah, juste là pour nous faire perdre des points de vie. Ah, merde. Chaud. Avec son petit picou sur la tête. Ah, la pièce. Bon, pour 10. Je vous épargnais... Je vous épargnais 10 minutes de farm juste pour prendre les pièces une par une. Et se prendre un dégât derrière. Avec perte définitive de l'argent. Ça, faut que je refasse tomber l'autre. Parce qu'il spawn là, mais tant qu'il est pas à l'écran, il tombe pas. Je voulais pas manger. Ah. J'ai pas fait celui-là. Ah, on a trouvé. Ah, d'accord. La flèche immobile. Non, c'est juste qu'on va à la même vitesse. Easy. De l'argent facile. Easy money. Il va me balancer une pomme. Non, c'est bon. Meurs. Ah. Lui, il est noir, je peux pas le retourner. Ça, je crois que c'est une plateforme. On peut passer que dans un seul sens. Alors, va falloir faire une supercharge, mais sans atterrir dessus. Si possible. Voilà. Et là, je crois qu'il rapporte. Hein. Ah ouais, 300. Ça, c'est rentable. Ça, c'est l'ennemi qui rapporte. Ok, là, on pourra pas y aller une fois. Une fois qu'on aura trouvé l'interrupteur. Enfin, qu'on aura surtout activé, quoi. Bravo, le veau. J'ai récupéré. J'ai l'argent. Rassurez-vous. Ah. Ah, j'en ai loupé une. Mais je t'ai pas demandé de faire une charge en bas. Voilà, la croix directionnelle. C'est la faute de la manette. Demander à récupérer mon adaptateur de manette PS2. Bon, je laisse un peu de pognon, hein. Moi, on voudrait pas. Je sais pas si j'ai tout récupéré. Je pense que j'en ai perdu un peu. Ouh, ça sent tellement l'interrupteur juste en dessous de moi, là. Ça, c'est les gros trolls du jeu possible. Hein. Vous sautez dans le vide et pouf, vous atterrissez sur l'interrupteur. Ça, je sens tellement que ça va m'arriver. Je trouve un peu bizarre cette texture, mais apparemment non. Ouh là, les...
Voilà. Les petites émeraudes qui sont les petits joyaux qui essayent de tapater pour bien te faire tomber dessus. Mais non. Je ne suis pas dupe. Mais ça m'arrivera sur un autre niveau, hein, vous inquiétez pas. Non, c'est bon. Est-ce que je peux me servir de toi? Ah oui. T'es pas obligé de partir d'ici. Vas-y, plante-moi. Bah, je pense que le bitrate, tu dois être en PLS avec la pluie. Il y a moyen. Vas-y, charge-moi si tu l'oses. Mais quel con. Nous appellerons ce stream le stream de la rentabilité. Est-ce que je vais pas avoir besoin de toi? Non, je pense que je peux... Je pense que je peux sprinter. Mais puis si j'attends que tu reviennes, il y en a pour 20 ans. Mais bordel. Reste rouge. C'est beaucoup trop vite. Ah, ça marche pas. Ah, le troisième. Et là, nous avons l'interrupteur. Il nous manque le quatrième et le premier. Je vais bien. Est-ce qu'à tout hasard... Non. Bon, pareil, on va déclencher la fin. On verra ce qu'on trouve en chemin. Puis, si besoin, on refera. Hein. Ok, combien de temps avons-nous? On ne saura jamais. 2 minutes 45. Ok, c'est un peu plus généreux. On entendra un peu mieux la musique. Ah! Ouh, mon argent! Mon argent perdu, voilà. Oula, il y en a deux! Ah, ils peuvent... Bon, allez, on n'a pas le temps. Là. Vous êtes sûr, il manque pas... un ennemi, un truc. Attends, j'ai une idée. Non. Ah, quoique. Non plus. Attends. Ah bah. Ah si, peut-être. Autre idée. Peut-être qu'en chargeant, je peux aller de l'autre côté. Oh l'angoisse. Qu'est-ce qui me manque ici? Non. Bon, une minute, on se casse, hein. Ah! Voilà ce qui me manquait. Bon, maintenant, on va au bout parce qu'on a trouvé. Mais ça me laissera pas beaucoup de temps. Ouais, comme ça, hein. Allez, vite! On a plus le temps. Ok, quatrième morceau, il manque toujours le premier. Wait. C'est après, il y a la clé à récupérer et on a vu que ça allait être l'angoisse. Pareil pour revenir au début du niveau. Allez, donne-moi un peu de temps. Ah, mais bah non. J'ai du temps en plus, pas en moins. Oh là, il y a un truc là. Mais où je vais trouver un plan incliné ici? Oh, ils sont sérieux. Oh là là, oh, le temps perdu.
Mais même pas. Oh l'angoisse. Il faut pas que je touche l'ennemi à pic. Ah non, l'ennemi à pic, je peux le défoncer en roulant. Mais on va... Oh non. Bon, on va pas chercher sa thune et on va... Enfin si. On cherchait pas sa thune si on avait réussi, mais là on va pas le retenter parce qu'il y a plus de temps. Bait. Ah bah voilà. Le premier. Pourquoi il est là le premier, on sait pas trop. Mais on l'a trouvé, c'est l'important. Ah, j'ai plus de temps. On va perdre tout notre argent. On a durement gagné. Oh putain, en plus c'est tellement loin. 10 700, ça va me laisser 2 minutes 30 à tout péter. Mais bon, 2 minutes 30 ça veut dire plus de pognon quoi. Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est plus loin? C'est là. La clé. De toute façon, j'ai jamais le temps dans ce niveau. Hein. Surtout si on veut tout récupérer. Ok, 8380, c'est déjà honnête. Y'a pas perdu grand chose. Perdu un petit peu quand même, mais pas trop. Et du coup, on a tout. Le CD, parfait. Et la clé. Il reste donc la deuxième émeraude, la deuxième partie d'émeraude du niveau 3. Et on sera bon. Alors où ça va être? J'ai une petite idée, mais j'ai pas d'idée comment y aller en fait. Parce qu'il y a un passage qu'on avait vu qui était pas accessible. Ça, on avait dû y aller, je crois. Mais voilà, c'est ça. Ça, on n'a pas trouvé de rocher qui... qu'on pouvait balancer dessus. Ah bah attends. Je disais donc qu'il manquait un rocher. Mais où va-t-on le trouver? C'est la question. Tout va bien se passer, n'aie pas peur. Ah, même pas. Oh là là. L'énigme du first try. Et ouais, on n'avait pas trouvé le coffre couronne. Le cœur couronné. Eh ben non, c'était pas ça. Bien tenté. Alors, est-ce que c'est dans la partie du retour, du coup? Peut-être. Bah toi, t'es encore en vie, du coup. Bah plus maintenant. Bon, bah, au moins, on repart en full vie. On peut se passer d'explorer, ne serait-ce que... Mais lâche-moi, pour les cœurs. Le niveau sera plus court, du coup. Laissons ce cœur au cas où. Mais ouais, on va aller sur la sortie plutôt, je pense. Je pourrais refouiller intégralement le niveau, mais... J'ai une petite idée. Sinon, il y avait cette partie gauche aussi, on n'avait pas pu tout explorer. On va trouver un moyen d'accéder à gauche, mais je ne sais plus trop. Ah si, j'ai peut-être une idée. On testera après, du coup. Non, je suis sûr, il y a un truc. Ah.
dû passer à côté de blocs destructibles dans cet écran là, dans cette map là. Il me semblait pas qu'il y avait rien ici. Oui, on l'avait déjà celui-là. Ah, j'aurais dit que c'était là. Là, je peux pas prendre d'élan pour faire une grosse charge. Ah, j'aurais joué que c'était là. Parce que là, on est d'accord. Ouais, je peux pas aller plus loin. Non, mais c'était pas ça, alors. Remontons. J'ai souvenir qu'il y avait une zone comme ça sur la gauche, mais... Je me trompe peut-être... Peut-être ce que je croyais et ce que j'ai continué de croire. Là, parce que là, on a une zone à gauche, là. Alors, c'est peut-être juste pour faire joli. Mais là, je peux pas sprinter. Ah, quoique... Une idée me vint. Ouais, merci. Foutez-moi la paix. Oh oui. 100% c'est là. Voilà, deuxième morceau, parfait. Eh ben allez, plus qu'à rentrer. On a eu le disque. Donc ouais, même la zone où je pensais, finalement, bah, en théorie, il n'y a rien, si ce n'est peut-être un joyau à 1000. Ah, au bout d'un moment, je me retransforme, apparemment. Ok, donc maintenant, on va faire passer les bulles. Ça se passe bien. Easy. Ok, bon, là, tout l'argent qu'on ramènera, ce sera du bonus. On n'est pas obligé de tout ramasser non plus. Là, on sera pas obligé de faire le détour de l'angoisse. Au pire. Oh non, il est chiant, lui. Allez, on est reparti, du coup, cette fois, avec tout ce qu'il faut. 2 minutes. A savoir que si je meurs, je perds juste le morceau d'émeraude que je viens de récupérer. Ce que j'ai récupéré avant, c'est acquis et ça le reste. Comme la clé d'ailleurs. La porte va pas se refermer. Labourance. On a de la vie. Mais quand même, faut pas déconner. En fait, en boulette, ça passait mieux. Quand on était en boule. S'il y a un joyau juste à côté, je prends. Il y aura 500 dans un coffre. Allez. C'est toujours ça. Ben voilà. On a tout ce qu'il faut pour le boss. Le Cractus, donc on a à nouveau un mini-game shop pour faire des mini-jeux et gagner des pièces grenouilles. Et acheter avec ces pièces grenouilles, bah justement des aides pour le boss. Mais bon, pour l'instant, on va aller voir le boss comment il est, si on arrive à se le faire. Ou s'il faut farmer un petit peu pour avoir des aides. Et là, normalement, on devrait avoir aussi plus d'objets dispo. On a la deuxième ligne qui s'est rajoutée avec des objets plus puissants et certains qui vont être plus efficaces sur certains boss que d'autres. Mais il coûte quand même 15, donc c'est bien de voir quand même le boss un petit peu une première fois ou deux, savoir un peu quels sont les patterns plutôt que de claquer 15 pièces, de les farmer surtout et de les claquer pour après se viander parce qu'on connaît pas le boss. Donc on va l'essayer une première fois. Alors on peut aussi essayer de vaincre les boss le plus rapidement possible, plus on va vite, plus on va avoir de coffres à trésors avec nous. Et plus on a de coffres, et ben plus...
meilleur à notre complétion du jeu. Et on peut chercher à faire le 100%, avoir tous les coffres et à battre tous les boss très très vite, sachant que si vous l'avez battu une fois, vous pouvez pas le refaire, il me semble. Donc, faut faire gaffe. Là, on est sur le mode hard pour débloquer le super hard derrière, donc je vais pas partir dans cette optique de 100%. Peut-être que pour le super hard, on pourra se faire ça comme ça. Mais bon, là on y va, tranquille, en mode déni pour 100. Juste pour débloquer le super hard. Mais même en super hard, ça va être chaud. Hein. C'est tout ce que vous voyez, il y a les 4, vous voyez les 3 coffres derrière nous, c'est ceux qu'on va devoir essayer de récupérer en battant le boss le plus vite possible. Et plus le temps passe, plus ces coffres s'en iront. Ah, bravo Levo. Ok, bon, déjà 2 cartes perdues, on n'a pas fait un seul dégât. Voilà. Donc il suffit d'attendre qu'il soit assez bas pour lui faire des dégâts. Là en l'occurrence ça n'a pas marché, j'étais trop bas. On va sûrement mourir très vite. On peut peut-être pas le toucher quand il est comme ça. Hein. Ma petite arme, c'est parce que j'ai plus qu'un cœur. Je crois qu'en normal, on commence full vie à 8. Encore qu'on est peut-être qu'à 4 cœurs. Et en super hard, la petite particularité, c'est que... On commence avec un seul cœur, et même les niveaux de boss. Sachant que les niveaux de boss, on peut pas récupérer de santé. C'est assez corsé. Ça va être assez tendu. Je pense qu'à une 30, il y a un coffre qui s'en va hein, derrière. J'entends très bien de l'attaquer par haut, mais bon, vu que j'ai plus qu'un cœur, ça me semble tendu. Comme vous voyez, là, il commence à essayer de nous taper pendant qu'il passe en rasmote. Et après, il va être de plus en plus haut. Je pense même là on va pas avoir le temps. Même si on se fait pas toucher, qu'on joue super bien. Ça va être délicat. Bah les 3 coffres sont toujours là, mais je pense que ça va pas tarder à s'en aller. Voilà, le premier à 1 minute. Ça débloque peut-être une vraie fin potentiellement. On va peut-être y arriver hein. Non, 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 non. Le balcon Philippe. Voilà, là il est plus haut. Et il est plus rapide. Ah. Deuxième coffre a disparu. Oula. Non, non. J'en étais sûr. Bon voilà, on a à peu près cerné la strat. Ça peut se faire. Mais ça va être délicat. Non. Bon allez, on va y aller. On va y aller pleinement, on va se farmer 15 pièces. Ah, ça me fait penser que j'ai oublié de faire une scène, tiens. Tant pis. D'ailleurs, je sais même pas si je pourrais la faire, en fait. Je sais pas si c'est possible de faire ce que je pense sur OBS, de faire tourner les... Faire tourner les fenêtres. Mais bon, c'est pas grave, on se tordra le coup. Je regarderai ça plus tard. Du coup, mini game shop. Et nous avons 3 mini-jeux qui vont coûter 5000 la partie. Donc on a 60 000, c'est à ça que va servir notre argent global, notre butin. Ça va être pour faire ces mini-jeux et tenter de récupérer des pièces. Nous avons le premier jeu qui est Wario's Home Run Derby, qui est un jeu de, on va dire, de baseball. Le but est très simple, on nous envoie une balle, il va falloir la taper avec la batte, la renvoyer dans les limites du terrain, et essayer de farmer le plus possible de pièces. J'appuie sur A pour donner un coup de batte. Et dès qu'on en a loupé 3, c'est perdu. 3 à la suite, hein, vous voyez en haut à droite.
le nombre de, d'échecs qu'on peut avoir et après ça réinitialise à chaque fois. Tout à gauche au milieu vous avez le nombre de tirs envoyés, juste en dessous le nombre de pièces gagnées. Et le top 1. Le top 1 c'est le meilleur score. Ok. 5000 de gâchés. Normalement on est censé tourner la Game Boy Advance pour avoir l'interface dans le bon ordre, mais là je vais avoir un petit peu de mal. Je pense pas que j'ai des outils pour rotate sur l'émulateur. Je regarde vite fait, hein. Mais je pense pas. Si c'est possible de le faire via OBS, il faudrait que je me fasse une deuxième scène, j'ai pas pensé à la faire. Je pense pas qu'on puisse la tourner. Sur OBS. Ah, peut-être avec les transformations. Si on peut. Bah attendez, deux petites secondes. Un instant, ça va être très rapide du coup. Bon après, il faudrait que je la fasse plus jolie, mais ça, on peut faire déjà un truc de base. On va faire dupliquer la scène. On va l'appeler 90 degrés. Voilà. On va mettre le raccourci paramètre. Raccourci clavier. On va le mettre en 9. Alors si je retrouve la scène, il y en a tellement. Voilà, je l'ai. Passer à la scène 9. Appliquer. Ok. On passe à cette scène 9, on y est peut-être même déjà. Je sélectionne la capture de la GBA. Transformer. Rotation sens horaire. 90 degrés. Pour l'instant, c'est très moche. Dans l'idéal, il faudrait que ce soit centré. Ouf. Après, le bas de l'écran, je sais pas si vous en avez forcément besoin. Ah bien, imaginez un truc comme ça. Et après, on fera une scène mieux. À moins que ça vous cache tout. On va voir, on va refaire un petit coup. Juste pour tester la scène. Ah oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas les raccourcis, donc... Il va falloir que je switch à chaque fois, ça va être un petit peu l'angoisse entre les deux scènes en cliquant. Voilà, on va dire qu'on est comme ça. On lance le jeu. Est-ce que vous voyez tout? Oui, c'est bon. Oui, vous voyez les strikes, c'est bon. Ça passe juste. Et là, comme ça, vous avez tout dans le bon sens. Bon, pas moi, mais vous, oui. C'est en dehors, faut que je sois dans le cône, en fait, que vous voyez... au-dessus de la zone. Sinon c'est une sortie mais c'est pas ça compte comme une faute mais ça c'est pas exclusoire. Non, je sais pas ce que ça se dit. Ça nous exclut pas de la partie si notre dernière faute est une sortie. Première pièce. Nous avons 14 à récupérer. Et là tous les trois home run. Elle était hyper lente, je l'ai pas eu. Tous les trois home run, on gagne une pièce. C'est raté. Là, j'ai plus le droit à l'erreur. Une sortie, ça serait passé. Joli. Allez, encore un pour une pièce de plus. Et de deux. De 13. Petit jeu de réflexe et d'observation. Ah, beaucoup trop tôt. C'est une sortie. Oh, elle a accéléré au dernier moment. Ok. Allez, on change de jeu. The Wario Up. Un petit jeu où, bah, plus ou moins de rythme. Il va falloir sauter au bon moment. Pas forcément au rythme de la musique, mais
Vous allez comprendre très vite. Et plus on va aller loin, plus on va gagner de pièces. Et la musique est sympa. Et rigolo. Et rigolote. Bon, faut que j'arrête de danser, par contre, sinon je vais... je vais me louper. Donc, dès qu'on se prend un obstacle, c'est perdu. Je ne peux pas regarder le chat. Je vois que vous m'écrivez. Mais là, c'est pas possible. Donc, je crois que c'est tous les 15 sauts. Et ça va de plus en plus vite. Tous les 15 sauts, voilà, on gagne une pièce. Parmi les 3, c'est mon mini-jeu préféré. Ah, je suis sûr qu'il est sympa ce jeu. En effet. Moi, je l'aime bien. Cochon. Là, c'est la partie lente encore. Hein. Ça se fait. Et 2 pièces. Ce qui fait 4. Oula, je saute de plus en plus tard. Et ça va plus vite. Et souvent, je me plante au premier. Donc, je vais arrêter de gigoter la tête. Et observer. Le vieux. Ah! Je pensais l'avoir fait un peu tôt. Là, c'est pas le moment pour que le jeu freeze. Hein. Ok, encore 11 points de pièce. Oh, oh! Ça passe. Je me démerde mieux que ce que je pensais. Je pensais que j'allais... Ah! Galérer. Ah! Trop tôt! Je pensais que j'allais galérer plus que ça. Bon, 4 pièces. Mieux rentable que le baseball, au final. Et c'est un peu plus rapide aussi. Ça dépend jusqu'où on va, en fait. Allez, dernier jeu, Wario's Roulette, où il faut essayer de recomposer un personnage. C'est un petit jeu de mémoire et de réflexe. Plus mémoire, quand même. Réflexe, c'est vraiment si on va louper le coche, on va dire. Come again. C'est le memory. Regardez. Ok, donc lunettes, nez dégueulasse et bouche dégueulasse. On trouve les moyens mnémotechniques qu'on peut, hein. Lunettes. Nez dégueulasse. Bouche dégueulasse. Et dents. Marron, Wario et les 4 dents. Ok. Lunettes, on va dire triangle et langue. Langue après. Alors, je vous rappelle qu'on fait tout ça pour avoir un objet qui va nous permettre de vaincre le boss. Et que bah si on loupe le boss, bah va falloir se retaper ça. Ok, Wario. Wario cochon langue. Donc j'ai une pièce déjà, donc ça va être tous les 3. Robot et dents blanches. Celle-là, ouais. L'autre, c'est Wario. Lunettes, moustache, grosse bouche. Ah, c'était celle-là, je crois. Moustache. Et grosse bouche. Oui, et grosses lèvres. Et 2 pièces, donc c'est tous les 3. Wario et grosses lèvres. les grosses lèvres. Marron, Wario et... quelque chose. Mince. Marron, je crois. Wario. Et... truc bizarre. Je sais pas. Je sais pas comment l'appeler, lui. Sourire sans dents. Ah tiret Wario, je crois. Après, ça, on a plus beaucoup de temps pour mémoriser. Là, j'étais pas très attentif, j'avoue. Et Wario encore. C'est ça. Alors, attention, je regarde bien. Ah bah, full Wario. Vous aussi, vous pouvez jouer derrière votre écran. Wario, triangle et vieux.
Moult temps. Peut-être parce qu'il y a plus de choix et que ça va être plus dur. Il est triangle, je crois, et bouche de vieux. Allez, encore un. Wario, gros nez et vieux, on va dire. C'est celui-là, hein, c'était le premier. Et vieux. Ok, encore une pièce, normalement on est à 10. Lunettes, nez qui pleure. La bouche, c'est les grandes, c'est les dents. Vieux, nez rouge et Wario. Ok. Wario. Wario, Val et la bouche là. C'est tous des bouches. Celui-là. Et non. Ah! Je pensais pas à celle-là, mais ok. Petits yeux. La même bouche. Les petits yeux. Là, ouais, le nez, ouais. Et la bouche, la même que tout à l'heure. Ok. Lunettes rondes, rouge, Wario. On va faire tout notre pognon là-dessus. Hein. Noir, dégueulasse et triangle. Ça, hein, lunettes, hein. Vous saviez pas que c'était des lunettes avec le nez dégueulasse. Et le triangle. 12 pièces. Noir, Wario, petite dent. Ok. Lunettes, Wario et petite dent. Mais lesquelles lunettes? Celle-là. Wario. Petite dent. Full Wario. Ah, il va y avoir des nouveaux patterns. Ça ralentit. Je sais pas comment il était mon record avant. Faudrait que je regarde ma série YouTube à comment il était. Grosse lunette, Wario, langue. Wario langue 4. Ouais, c'est ça. Et langue. Ok. Bizarre, nez et Wario. C'était ça, hein, c'était le premier. Le petit nez. Petit nez vers le haut. Et Wario? Je suis pas sûr. Vieux, Wario sans moustache et petite bouche. Ouais, c'était ça. C'est... Non! C'était pas elle. J'ai une petite bouche, mais il y en a une plus petite. Ok. Allez, on retourne sur... Sur du baseball. Allez, il faut en faire 6 et on a les 15 pièces. Ah, dommage. Un poil trop tard. Voilà, elle est beaucoup trop vite. C'est une sortie, donc c'est pas éliminatoire. Ouh, le petit effet. Et de deux. Alors, il y a peut-être moyen de cerner les effets avec les expressions que fait le lanceur. Mais je prends jamais le temps de le faire. J'ai jamais pris le temps de deviner, de comprendre les patterns. On peut essayer peut-être. Une sortie, ça m'élimine pas. Droite, droite, bas. Ah, elle est vite à la fin. Bon bah, zéro pièce. Très bien, on retourne la console.
On est parti pour un Wario Up. Il nous reste 30 000. Alors qu'on me voit pas en fait. Comment ça se fait? Ah, parce que je cherche pas la bonne scène. Attends, pause, arrête, arrête et tout. Non, je veux pas perdre. Bon, vous me voyez pas, c'est pas grave. Et voilà, j'ai voulu regarder. Et je suis baisé, voilà. Allez, on le refait du coup. Mais par contre, on n'est pas remboursé. Comment claquer 5000 de thunes? Je vous rappelle, 5000, c'est 4 gros saphirs. 5 gros saphirs. On galère un peu à trouver quand même. Une pièce. Il nous en manque une. Allez, encore deux. C'est bon, on a le compte. Et on va plus vite. Donc on va quand même rentabiliser nos 5000, hein, et essayer d'en avoir un peu plus. Peut-être. Le vieux. Ah, j'entends l'argent qui s'écoule. C'est pas de l'argent ça. Oh, trop tard. Bah, je regarde à combien il est mon record sur le playthrough du YouTube. Allez, nous avons 16 pièces. Nous allons choisir l'objet, il faut choisir le bon. Le petit chat. Nous avons le chien noir. Nous avons les lèvres larges, les grandes lèvres. Nous avons le gros point. Et nous avons le black dragon. J'ai envie de me dire, un dragon, ça crache du feu. Les plantes, les types plantes craignent le type feu. J'ai bien envie de prendre le black dragon. Et là, faut pas se louper. Parce que refarmer une fois les mini-jeux, ça peut se faire, mais là, après, le problème, c'est qu'une troisième fois, on aurait plus assez d'argent, et donc faudrait refaire des niveaux pour aller chercher de l'argent, pour aller faire les mini-jeux, pour aller faire le boss. Et c'est infini. Le gros dragon. Ah, c'est super efficace. Bon, par contre, il va être vénère, hein, l'ennemi. Hein. Est-ce qu'il faut quand même que je pourre le vase? Je pense, oui. Et ça lui fait pas de dégâts. Par contre, là, il va être vénère, direct. Ah, je pouvais pas le toucher. Là. Ah, je vais me faire ouvrir. Je vais tellement me faire ouvrir. Allez, encore une touche et c'est bon. Là, il est trop haut. Et je vais peut-être avoir les trois coffres, hein, du coup. Hein. Par contre, moi, je me fais encore toucher trois fois avant de mourir. Et il me rattaque encore. Hein ? Il m'a touché ? J'ai pas fait gaffe. Oh putain, il est hyper lent. Oui ! Alors, à savoir que si je touchais une petite goutte de salive, je me transformais en zombie aussi.
Et il fallait que je touche une mouche pour redevenir normal. Parce qu'en zombie, on est lent et on fait rien. Eh ben, on cherche pas à faire 100%, mais on est bien parti. Les trois coffres. On avait une minute encore, mais... voire même une trente. Mais voilà, c'était plus la santé là qui posait souci. Et les trésors, plus la couronne du boss, que portait le boss, rejoignent la pyramide. Et quelque chose s'est activé sur un des côtés de la pyramide. Peut-être se passera-t-il quelque chose si on vainc... si on arrive à vaincre les trois boss. Bon, en gros, on va accéder à la pyramide. Voilà. Et bah du coup, on aura fini un passage, c'est cool, c'est justement ce que je voulais faire aujourd'hui. On va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui, je vais faire une petite save state. Je vais la faire via file, ça m'évitera de faire un misclick et de tout effacer. Donc c'est bien save game, on va l'enregistrer en 10. Voilà. Comme ça on est sûr que si jamais je charge une save state sans le vouloir en voulant faire mes montages, au moins celle-là, on l'a. Du coup, eh ben, on s'arrête là pour cet après-midi, je sais pas si je reviens ce soir. Enfin si, on se retrouve, on reste en stream puisque je vais regarder un petit peu les nouveautés sur Steam, sur IndieMac, j'ai pas pu le faire hier. Donc on va regarder un petit peu les nouveaux jeux qui vont sortir, si vous voulez proposer des jeux pour les prochaines séries, vous le pourrez aussi, enfin vous pouvez le faire quand vous voulez, mais voilà, là au moins on est dedans. Du coup, bah, je remercie ceux qui étaient là et ceux qui ont regardé la rediff sur YouTube. On reprend la partie samedi prochain à 10h du matin pour continuer. Je vous rappelle que... enfin non, je vous le dis, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, je pense. Sur l'extension Streamlabs, vous pouvez voir en bas à droite du lecteur pour ceux qui sont sur Twitch. Vous pouvez voir qu'il y a un sondage pour savoir si vous voulez conserver les horaires de stream actuels. Étant donné qu'on est sur un nouveau jeu, je me dis que certaines personnes... voudront ou non y assister et veulent peut-être avoir des horaires un petit peu aménagés pour pouvoir regarder cette série. Donc n'hésitez pas à donner votre avis si vous voulez changer les horaires de stream ou pas, et si c'est le cas, je ferai plusieurs sondages pour les horaires de chaque émission de la semaine, chaque émission régulière, et on pourra aménager ça en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Du coup, je pense que je vous ai tout dit. Des bisous YouTube, à très bientôt. Et du coup, nous, on va rester pour...